إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته et nous continuons avec nos classes et nous continuons avec nos livres qui arrivent toi ou jeune si tu tombes dans la drogue et les malheureux pour nous dire nous constater qu'il de nos jours il y en a beaucoup beaucoup de jeunes qui deviennent tombes dans sa fléau qu'appelle la drogue là. Au début, nous explique concernant cigarette comment il y a une chose et qui n'est pas correct. Et la plupart des personnes qui finissent dans la drogue, je finis commence par cigarette. Alors, il est très important pour qu'une personne n'est pas tombe dans cigarette en premier. Et ensuite, quand il est capable, plus tombe dans ben fitness, quand il arrive dans la drogue. Mais il est aussi vrai qu'il y a énorme de jeunes, énorme de personnes qui ne veut pas fumer, mais seulement je te tombe dans la drogue pour prendre ben les autres substances. Pas nécessaire ben substances qui fument, mais les autres ben substances je te prends et je deviens addict avec ça, avec ben la drogue. Alors, connais qui est celui qui n'est pas dans cigarette, pas veut dire qu'il est 100%. Safe qui n'est pas boutum dans la drogue jamais. La drogue c'est un parmi ben péché, ben haram que Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait décréter depuis bien au début et il paraît comment dans l'époque ben arabe, l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tina la boisson. Mais la boisson c'est qui apporte intoxication, c'est-à-dire que tu peux sous avec ça ben la boisson là. Alors, sans l'ifin changer, l'ifin évoluer, c'est-à-dire l'ifin pas juste la boisson, ce qui boit, comme dans Maurice nous connaît, la rhum, la bière, etc. Mais l'ifin aussi, l'ifin, ben substance qui mange mon, je te consommer, que ce soit par voie orale, c'est-à-dire par juste la bouche, ou soit nasale, par juste néné, juste sniff, ou soit par ben les autres voies, ben voie, ce qui intraveineuse à travers. Je te la veine, je te pique, je te prends la drogue. Alors, la drogue, n'est pas un seul type, mais la drogue, c'est plusieurs qualités. Et par exemple, un nouveau type, la drogue qui vient de l'homme aussi ces derniers temps concernant la drogue, ce qui appelle synthétique, qui dans 10 ans de cela, n'est pas si connu. Malgré qu'il s'est fini, comment c'est dans certaines places dans le monde. Mais dans Maurice, ici, l'hypatie, si tant connu, ça qui chose. Mais aujourd'hui, les synthétiques, demain, il est capable de venir l'autre type de drogue, après demain, il vient l'autre type de drogue, mais tout qui chose qui est relié avec la drogue, c'est qui une personne, les pédis au raisonnement, c'est qui une personne, c'est qui n'est pas, il tombe dans une sous-lésion et il ne connaît pas qui il peut faire. Il tombe dans une sous-lésion, il ne connaît pas qui il peut faire. Par exemple, l'exemple d'un petit donné, dans ce sous-lésion, il tape en colonne, il vous dit pardon, monsieur, et il tape en colonne. Et dans ce sous-lésion, il dormit partout, il maille les chiens en bas de la boutique, en bas de la taverne, peu importe que ça. Il ne connaît pas qui il peut faire, il fait ce malpropreté, ce mal impureté partout. Jusqu'à même dans ce larcase, il y a ce qui nous fait apprendre, c'est qu'il a soit ouvert sur leur bord, il peut penser qu'il peut uriner, mais il peut dans la toilette, il peut uriner, mais il y a le dorsal, leur bord de ce propre linge, ce qui est propre, ce qui est ramassé, il urine dedans. Alors, tout ça, là, c'est quelque chose, c'est qui est arrivé. Et pour nous, en tant que musulmans, nous connaissons qui ça, qui est ça, qui est ça, qui est haram. Allah subhanahu wa ta'ala, plusieurs places, nous fait mention parmi dans le surah. Ici, avec nous, Al-Ma'ida, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, « Ya yuha alladhina amanu innama al-khamru wal-maysiru wal-ansab wal-azlam » ridson min amali shaytan fajtanibu la'allakum tuflihun. Alors Allah subhanahu wa ta'ala li bekoz concernant innama al-kham. Et kham c'est tout qui chose qui apporte intoxication, tout qui chose qui fait du monde saoulé. Alors tout ça là wal maysir ban je dis azar wal ansa wal azlam, c'est tout ça ban qui chose, c'est ban qui chose qui li haram qui Allah subhanahu wa ta'ala li fin décrète li comme haram min amali shaytan parmi ban travail de shaytan. C'est Shaitan qui fait un djimoun, il content qui ben djimoun je tombe là-dedans. Parce qu'un djimoun il tombe là-dedans, il fait ben bêtises, et ben plus grand bêtises, il fait
lui-même n'est pas connu. Hein? Dans quand du monde dans ce sous-maison, il est capable de battre du monde, il est capable de tuer du monde, il fait manquer de choses. C'est pas correct. Du monde qui est plus content, il maltraite du monde, il bat, il a tué du monde qui est plus content. Tout ça là, c'est parce qu'il est dans un sous-maison. Il est dans un autre état. Comment nous dire? Alors, ça, la drogue là, il paye là. La drogue et tout ce qu'il y a pour le sous-maison, paye dans aucun lunaire, paye dans aucun valet à la dent. C'est lui qui lui consomme n'importe qui sa banne, quelque chose là. C'est une personne qui n'y pas faire le nez à lui-même. Une personne qui lui comment dire, lui prend pour lui, comment ben animaux. Parce qu'une personne qui, quand il fait une saoulée, une personne quand il dort, une saoulaison, il pas connaît qu'il fait, il dit quelque chose qui pas correct, il fait quelque chose qui pas correct, il agit d'une façon qui pas correct. Et tout ça là, c'est comme si il peut ressembler ben ce qui peut dans l'esprit concernant ben animaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce hadith il finit clairement kullu muskirin khamrun, tout ben quelque chose qui apporte sous les ongles c'est kham, et tout kham wa kullu khamrin haramun, tout kham, tout quelque chose qui apporte sous les ongles c'est ben quelque chose qui dit li haram. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en le place lisir idrib bihadha al-ha'id fa inna hadha sharabu man la yu'minu billahi wal yawmil akhir. C'est-à-dire, prends ça, zit ça, fouette ça avec mirail. C'est-à-dire, tout intoxiquant. C'est-à-dire, le prophète Péko, concernant intoxiquant qui tient dans l'époque, c'est la boisson qui banane, tu peux boire, tu peux sou avec ça. Le prophète dit, prends ça, zit ça, l'eau mirail. Certainement, ça, c'est pas la boisson. C'est pas la boisson des bonnes personnes qui amène iman, qui n'a iman en Allah, qui est dans l'iman dans le dernier jour. C'est-à-dire, c'est lui qui lui consomme ben la drogue, c'est lui qui consomme ben intoxicant, connaît qui sa personne là, vraiment, c'est pas qualité un musulman que le prophète lui fait dire. Un musulman n'est pas consommé, n'est pas touché, n'est pas attrapé, n'est pas sorti. Comme nous trouvons dans le hadith, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui expliquait encore. La drogue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment nous dit à là, c'est quand une personne est dans sous les ondes, il pas connaît qu'il il fait tout ban qui chose c'est qui pas bon, ban qui chose c'est pas correct. C'est simple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est avec nous là, rapporté par Abu Darda, il dit, parce qu'il a tashrabil kham, fa innaha miftah kulli sharrin. Pas besoin de consommer, pas besoin de boire, de consommer ben intoxicant, parce que c'est même la clé de tout ben mauvais quelque chose. La drogue, c'est ça même la clé de tout ben mauvais quelque chose, ce qui est là. Dans le hadith, le prophète dit, al-khamru ummul al-kham, tout ce qui apporte intoxication, tout ce qui fait du monde saoulé, c'est maman de tout ben malpropreté. C'est-à-dire, c'est à la base de tout ben malpropreté. Aujourd'hui, comme il y a un drogué à qui je bats je maman, je bats je madame, je bats je enfants, bats je papa, tout cela qui fait, c'est pour gagner casse, c'est pour qu'ils soient un drogué. Comme c'est qui il y a un parent qui soutient je enfants, cause mentir avec la famille, cause mentir. C'est maman là qui n'a pas jamais une cause mentir de cela vie, papa là jamais une cause mentir de cela vie. Mais c'est à cause de ces enfants drogués, alors ça, comme si tout est permis. Elle y gagne plus beaucoup sacré pour ses enfants. Il y a à cause mentir que sa famille, nous, mon garçon, il a tel problème, de telle difficulté, aide-nous, aide-moi, aide, prends casse, prends le telles affaires. Jusqu'à même, il y a enfants, fait juste maman, elle demande s'arrêter. Et maman, elle a demandé. Et à cause mentir tout. Ces enfants, à cause des enfants, fait ce tombe devant PC, devant erreur, devant quelque chose, c'est qui vraiment nous, quelque chose, c'est qui l'impensable. C'est quand même, il y a ben monsieur qui est drogué, je finis des gens, on va dire, quand je finis, prends tout pénanon de la case pour le vendre pour gagner de la drogue, je finis des gens, on va dire, propose avec celui qui je prends la drogue, pour qui, ben, a une relation avec cette madame, c'est fait, je demande cette madame pour la commettre zina, juste pour qu'il y gagne sur la drogue, les consommer. Jusqu'à ce niveau-là, ben, drogué, je suis arrivé et pas, comment dire, dans le monde, pas n'importe quel pays de l'autre côté, non, dans Maurice même, lit comme ça. Dans Maurice même, lit comme ça. Alors, ça, c'est une petite chose, c'est qui lit pas correct. Le prophète lui dit, al-khamru umul fawahish, al-kham, c'est la tout ben intoxicant, c'est maman de ben
tout un acte immoral. C'est un point de vue d'un exemple. C'est qui une personne, c'est quand même, lui dit, ce madame, allez au travail, il n'a pas de passer au travail, il fait madame là, allez, elle vend sur les cours. Et, alhamdoulilah, ben, madame, je ne pas aller, mais il n'a pas une madame, lui être faussé, et lui, il a manqué de choses, ce qu'il fait, il a amené monsieur Lacan, tout, il amène les autres monsieur Lacan, juste pour qu'il gagne ce port de la drogue et les autres démons jouir de ce madame. Alors, le prophète peut dire, Al-Kham Umul Fawahish, tout bon qui chose acte immoral, c'est à la base de intoxication, c'est tout bon qui chose qui amène sur les ondes. Ou Akbarul Kabair, et plus grand, par un plus grand péché, ce qui est là, Man Sharibaha Waqa'ala Ummi, Wa Ammatihi, Wa Khalatihi. C'est lui qui consomme, c'est lui qui consomme la drogue, c'est comme s'il fait une commettre zina avec ce maman, c'est comme s'il fait une commettre zina avec ce kala, c'est comme s'il fait une commettre zina avec ce poupou, avec ce poupou et ce kala. Et moi, nous connais une personne, ce maman, c'est ce maman, ce qui compte, c'est l'estime du bisin et Napoli, et c'est lui qui commet zina avec ce maman, un acte inceste, c'est qui passe musulman, tout du monde, dans le, tout du monde, c'est qui saint. Saint-Esprit, tout du monde, je tenais une fitra, ce qui est correct. Je trouvais qu'un kitso, ce qui n'est pas correct du tout, ça pour qu'une personne ait une relation avec son propre maman. Et ce poupou, c'est ce papa, ce sait, c'est qu'il a une grande estime. Sa personne a aussi, il a une grande estime pour lui, c'est son mahram, ce kala qui paraît comme son maman. Alors, c'est lui qui consomme sa man, la drogue là, c'est lui qui consomme un intoxicant, c'est comme s'il fait une commette zina avec son propre maman. Avec son propre poupou, avec son propre cala. C'est qui constate une petite chose qui est extrêmement grave, ça qui chose ça, quand une personne y consomme la drogue. Et connaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il finit faire nous connaît qui, une malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'eau, 10 catégories personnes. 10 catégories personnes, c'est qui, comment appeler, involve dans la drogue. C'est-à-dire, pardon. Et cette même personne-là, il y a 10 catégories de personnes qui mentionnent dans ce hadith-là. C'est ces 10 personnes-là, Allah, sous malédiction, lit l'eau, cette même personne-là. Comment dans ce hadith-là, le hadith-là qui trouve dans Sahih, dans Musnad d'Imam Ahmed plutôt. Musnad Imam Ahmad, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit Atani Jibril, Jibril alayhi salam, min kutman, il finit dire Ya Muhammad, ô Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah azza wa jal, c'est tellement qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qad la'ana al-khamra. Allah subhanahu wa ta'ala, il finit envoyer une malédiction, l'eau al-kham. C'est-à-dire, ça, la boisson là, dans lui-même, lit une boisson qui est une malédiction là-dedans. Allah subhanahu wa ta'ala, finit envoyer une malédiction, l'eau là. C'est lui qui peut presser, bon, il y a plusieurs façons qui fait ram, c'est-à-dire ben là, une de bonne façon, je peux mettre ben raisin trempé, ensuite les typer fomenté, je peux crasli, et la fois je te fais lire avec du blé, qui la bière, tout ça, la vigne avec ça, et la fois je te fais lire avec raisin. Ouais, avec raisin nunzi, hein, avec du blé, hein, avec plusieurs manquettes de choses, c'est qui je te laisse les fomenter, alors je te presse les. Alors c'est lui qui presse les pour les autres, c'est lui qui presse ça prépare ça, la drogue là, sa intoxication là pour les autres, et là-dedans, divine, c'est lui qui commence à l'IP, comment le nom synthétique de nos jours, c'est lui qui peut préparer sa mixture qu'il fait, les mélanger avec ça, avec l'autre qui chose, avec si pas, comment appeler, poison les rats, avec si pas les autres qui chose encore, il peut mettre, il peut ce spray l'eau là, comment il peut rouler, comment il peut mélanger avec cigarette, avec tabac, etc. C'est tout ça, personne qui fait ça, malédiction Allah subhanahu wa ta'ala, l'iloli wa mu'tasiraha. Et c'est lui qui lit, c'est lui qui presse lit pour lui-même, c'est lui qui peut presser pour lui-même. Washaribaha, c'est lui qui lit. Il consomme lui, c'est lui qui consomme lui, c'est lui capable, sa personne là, il n'est pas fin pressé, il n'est pas fin préparé, il n'est pas fin inali, mais seulement, il prend lui, soit il prend lui, il fin acheter, ou soit il fin un cadeau, il prend lui, ou soit il fin trouver, il prend lui, c'est n'importe qui façon une personne.
Lipé prend li, lina malédiction, Allah subhanahu wa ta'ala, l'oli. Wa hamilaha, c'est lui qui peut transporter ça, la drogue là. C'est lui qui l'y connaît, par exemple. C'est lui qui connaît qui est dans la drogue. Ça dit mouna, lipé transporte la drogue, lipé prend la drogue, lipé vendre. Alors, ce que ce soit, moi, mon chauffeur, mon taxi, peu importe qui m'a été, mon con, ça qui chose, je ne peux pas supposer donner le coup de bé. Je ne peux pas supposer faire sa course là. Ah, définitivement, si me connaît, si me pas connaît, mais mon travail, fin arrive. Ça c'est une autre chose. Mais c'est lui qui sortit, c'est lui qui sortit, ça la drogue là, wal mahmoulata ilayhi. C'est lui qui, ça la drogue là, peut être transporté vers lui. C'est lui qui, ça la drogue là, peut être transporté vers lui. Même lui, par exemple, il n'y a pas une personne qui peut vendre, il n'y a pas une personne qui il peut consommer, mais seulement la drogue là peut venir vers lui, c'est là, il peut se garder, par exemple. Ça aussi, malédiction, l'eau, sa personne à Waba, et Aha. C'est lui qui peut vendre la drogue. C'est lui qui vend la drogue. Malédiction Allah l'oli wa mubta'aha, c'est lui qui a acheté la drogue. Malédiction Allah subhanahu wa ta'ala l'oli wa saqiyaha, c'est lui qui peut verser, c'est lui qui peut donner les autres la drogue pour consommer. C'est même peut donner en cadeau aussi. Voici ou soit l'ipé aide pour lui prendre la drogue. Alors malédiction Allah subhanahu wa ta'ala l'oli wa mustaqiyaha, et c'est lui qui il demande les autres pour qui donne lui, pour qui va dire donne lui, partage lui, vend avec lui ça la drogue là. Alors ça, quand nous guide dans ce hadith là, il y a 10 catégories de personnes qui Allah subhanahu wa ta'ala peut dire c'est la drogue là, peu importe dans lui-même qu'on peut sortir, peut venir, peut vendre, peut acheter. C'est tout ça là, même Pessoye peut transporter, peut-être transporter vers lui, ou c'est une personne c'est qui lui peut donner les autres la drogue pour lui consommer. Alors, tout ça, personne là, c'est affecté par ça. C'est une malédiction, Allah subhanahu wa ta'ala, l'eau. Alors, pensez qu'il a été grave, lui grave ça. Pensez qu'il a été grave, lui grave ça, cette chose là, et c'est lui qui lui tombe là-dedans. Comment Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est lui qui est la malédiction, Allah l'oli. Comment les voulez qui les gagne bénédiction Allah? C'est à cause ça même la plupart, ben personne qui dans la drogue, ben personne qui jette vivre, c'est qui était la vie là. Nous trouvons qui cette famille, c'est une famille c'est qui cassée. Nous trouvons qu'il y a un problème, il y a un problème, bagarre, la guerre, il y a pina barakat dans sa personne là, dans sa famille. Et il finit perdu partout, sur richesse. Il y a du monde qui tient un bon post-travail, perdu post-travail, perdu partout. Hein? Il a déshonoré l'eau, la terre, Allah subhanahu wa ta'ala. Qui fait ça? C'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala, sous malédiction, l'eau, ça va en personne. Et celui qui consomme la drogue, parmi l'effet qui arrive, l'eau, sa personne là encore, c'est qui sa personne là, les fait salade. Même les fait salade, les consomme la drogue aujourd'hui, nous dit un seul poulia prend. Ou soit un seul dose de finrisse, une cigarette synthétique, ou soit un seul coup de piqué, un seul coup de sniff, ça même tout. L'in fait ça, pendant 40 jours, les fait salade, ce salade pas compté. C'est les bizarres faire ce salade. Les bizarres faire ce salade, salade obligatoire, les bizarres faire, mais récompense de sa salade là, il pas gagné. C'est l'obligation qui bizarre faire ce salade là, ça l'obligation là, finalement, enlever de lui. Ça l'obligation là, quand il fait à lui, c'est lui fait à lui. Mais la plupart drogués, grammaire pour Fajr, pas capable de lever. La plupart drogués, dans la journée, peut bizarre repasser de l'autre côté, peut bizarre trace la vie, il n'a pas de voler, il n'a pas de coquin, il n'a pas de faire l'autre bon travail. Hein? Ce qu'il n'est pas fait, même salade. Mais s'il y fait un salat aussi, s'il y fait un salat aussi, ce salat pendant 40 jours pas compté. Il est obligé de faire. Mais seulement ce salat pas compté, comme dans ce hadith l'éclair, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il n'y a aucun homme dans mon ummah qui consomme kham, et ensuite ce salat est accepté pendant 40 jours. C'est pas penser un du monde qui devine consommer un jour. La plupart drogués, quand il prend aujourd'hui, lendemain il reprend. Il n'apprend grand matin, midi, tantôt. Il n'apprend grand matin, tantôt. Et maintenant, ce qui plie alarmant de nos jours, c'est qu'il y a une bonne personne, et nous pas dire 10 bonnes jeunes, mais il y a une bonne personne qui est professionnelle,
je travaille, madame, enfants, j'ai dans un bon poste de travail, mais aujourd'hui, fin aidant, sa qualité personne là aussi, qui je tombe dans la drogue. Et non, une personne, c'est qui nous connaît personnellement, qui dort week-end. Dort week-end, c'est comment dire, soi-disant fatigué, stress, travail. Alors, je dis dans la case, lit tout seul, lit prend un petit affaire pour qu'il y gagne, pour qu'il y prend, pour qu'il, comment dire, lit casse stress, je dis ça. Mais ça qui est chose, quand il fait lit, c'est vendredi soir ou ça samedi soir, hein, parce qu'il fait un travail en demain. Ça, personnellement, quand nous disons concernant ce soir-là, c'est-à-dire, ça, une semaine-là, capable d'une soir-là, d'une fière soir-là, tout d'une levée, tout à fait correct, d'une fière, tout 5 fois soir-là, la soir-là, t'as pas compté. Semaine prochaine, l'irée, fait aller, qui arrive. C'est soir-là, pas compté. C'est jusqu'à, il continue à aller comme ça même, il n'est pas terminé. Et ça, pas une personne-là, la plupart, pas une personne qui prend la drogue de sa façon-là, qui commence à arriver. Une fois, quand, comment dire, ça l'envie là, ce qui maintenant appelle yen, ça l'envie là, il prend jet, arrive au milieu de la semaine, arrive au milieu de la semaine, vers mercredi, on va au travail aujourd'hui. Si parce que madame travaille, si madame travaille, on va au travail aujourd'hui, alors ce qu'il fait, hein, dans ce l'ensemble, il prend envie. C'est-à-dire au milieu de la semaine, un jour, il prend. Alors ce qu'il utilise samedi, après un certain temps, après un mois, 2 mois, 3 mois, 5 mois, 6 mois, il vient. Au milieu de la semaine, mardi, mercredi, jeudi. Allez, living des fois de la semaine avec une fois samedi. Jusqu'à fini, sa personne-là, il perdit. Et qui trouve ce qui est arrivé, du moins, il perdit du travail, il n'a pas filmé des hauts de travail, filmé des hauts parce qu'il me connaît, parce qu'il est une fois, il a congé, il me disait continuer de travailler, connaît le travail, de toilettes qu'au final prend. Qu'au final, la prend sur la drogue pour ce qui nous appelle ça, un white collar. Hein? C'est un management qui est professionnel, un bon poste de travail, mais au final, de bureau, de toilette, c'est-à-dire, quand de travail, je vais travailler. Et je finis tombe dans la drogue. Je commence à faire ça, un quitte chose. Et ça, quitte chose qui est arrivé, du moins, petit travail. Et il n'y a pas un des cas qui est arrivé, mais plusieurs qui sont arrivés, et nous, qui apprennent qui encore et n'a pas du monde pareil et n'a pas une personne pareille qui je paye sa traîne la fin vini c'est qui même man dort il a certaines professions on pas les dire qui man profession il a certaines man professions qui man du monde je fin tombe dehors ban personne fin tombe dedans et ça nous plaisir parmi la communauté musulmane en Ali et les autres communautés aussi en Ali. Et l'Ipan qui trouve, c'est que l'autre communauté, non, mais dans Moussalman, même Enali, il ban l'exemple, il y a des exemples qui viennent en tête en ce moment, c'est ban personne, c'est qui me connaît personnellement, qui fin arrive, je de sa façon-là, qui je fin perdre du travail, perdre la famille, madame, enfants, fin qui et ça, c'est ban qui trouve, c'est qui bien, bien grave, qui arrivait. Et ça, qui finit arriver. Parmi bon, l'effet de la drogue encore, c'est que mon ange n'est pas approche avec une personne. Une personne qui dort l'état de sous les eaux, mon ange reste loin avec lui. Nous connaissons mon ange, c'est qui je t'amène bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Par exemple, nous connaissons très bien le matin quand nous donne coke santé, hein? C'est parce que je trouve mon ange, c'est barakat. Quand nous tenons les chiens plairaient, crier, c'est qu'on est une jeune trou, Shaitan. Shaitan qui trouve ce qui est mauvais. Ange qui trouve ce qui bon, descend avec rahma, avec pitié, descend avec bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est lui qui l'idore, ce qu'on appelle la drogue. Alors, ça va personnellement, ange, pas pour coûter même avec jeune. Ange, pas pour coûter même avec jeune. Et que moi, nous connaissons de la case. Nous espérer et nous comptons qu'il y a un ange dans la case. Et nous connaissons dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui, quand il est rentré, il y a un rideau qui a Aïcha radiallahu anha met sur la case et qu'il y a un dessin là, un animal. Alors le prophète il refuse pour rentrer parce qu'il dit un ange par contre dans la case côté là, une figure, c'est un dessin, des animaux, tout ça. Alors ça, comment il y a une petite chose qui n'est pas correcte,
si en la case avec une personne puis non ben ange le prophète il dit salatatun la tuqarribuhum al malaika il y a trois qualités de personnes qui ben ange résident avec Dieu c'est al junub une personne qui dans l'état de janaba ou al sukran une personne qui est sous ou al mudaddamikhu bil khalunq et c'est lui qui fait mettre parfum plus qu'il besoin c'est lui qui met parfum plus qu'il besoin ça y est ici peko concernant en celui qui lido sous les eaux en celui qui dort sous les eaux ange pas costé avec Dieu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il peut dire dans sa hadith concernant ben ce qui consomme la drogue il dit ida sharibu al kham فجلدوهم ثم إذا شربوا فجلدوهم ثم إذا شربوا فجلدوهم Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa hadith a dit si un parmi eux, un parmi un musulman, un parmi un musulman, il consomme la drogue, alors donne-lui coup de fouet. C'est fouet de sa personne-là. Si l'inré prend la drogue après qu'il finit fouet-lui, redonne-lui coup de fouet encore, une deuxième fois. Si l'inré reprend la drogue encore, une troisième fois, redonne-lui coup de fouet. Pardon. ثم إذا شربوها الرابعة et si ban là je ne reprends ça la drogue là ça rhum là ça intoxicant là hein les reprend ça pour une quatrième fois فقتلوهم tu ban là c'est qui ta Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et ça tu ban là c'est pas nous qui nous sautons là aussi mais nous on s'attrape tout drogué nous tuer nous j'adore nous apprendre un hadith non c'est dans l'état islamique dans l'état islamique alors ça l'autorité là il prend la décision c'était dans l'état islamique mais nous dans l'état nous connaît nous pas capable de faire ça il nous pas gain droit aussi faire ça mais il juste la loi c'est qui bizarre fait un ban là et ça qui chose ça dit important c'est qui nous pas capable soutenir ban là et nous besoin prendre toutes nos précautions compte ben ce qui dort dans la drogue parce que la drogue il détruit la famille au complet. Quand une personne il meurt avec la drogue il nous connaît normalement d'après comment appeler ben RCS d'après ce qui ben l'expérience qui ben médecin fait trouver la plupart ben personne ce qui je prends ben la drogue c'est qui je t'affecte je te J'ai de l'écho, c'est j'ai de l'écho, j'ai de l'intérieur, c'est-à-dire premier, j'ai de bronches, j'ai de poumons affectés et c'est quand même j'ai de les reins affectés, j'ai de les foies affectés, je gagne ben malade, je gagne mal malade, c'est qui est bien grave. Hein? Par exemple, malade les foies, c'est qu'on appelle cirrhose, beaucoup ben drogués, je gagne sa malade là. Beaucoup ben c'est qui fumer prend la drogue pour ça comment appeler avec pour moyen cigarette c'est-à-dire ben poudia ou soit à travers ben synthétique qui je prends y affecter je bronche y affecter je poumon hein sa poumon là il vient un poumon qui l'infini hein un poumon coriaté nous trouver pensez si concernant cigarette nous peut trouver ça considère la boîte cigarette aujourd'hui et na man photo qui quantité ça les parcourir. À ce penser la drogue qui est beaucoup plus néfaste, qui quantité y affecter une personne beaucoup plus. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit si une personne mort et ça la drogue là lui dort sur ventre maitatan jahiliya. Sa personne là lui mort en la mort de jahiliya. Comment dire lui mort de l'époque de jahiliya. Et nous connaissons très bien combien de jeunes, donne-nous l'endroit, donne-nous la place que nous connaissons, que nous trouvons, combien de jeunes qui paient mort, je paie overdose, paient mort, pas overdose, c'est-à-dire qu'on peut prendre lui-même et l'intimer, et n'a fait qu'il m'a fait mort. Et beaucoup de personnes, c'est qui, je te mort avec la drogue, beaucoup de jeunes. Et ben moins jeune aussi et là c'est bien ma malade c'est qui beaucoup grave tout a été cancer vini problème tension problème léqué je gagné et je gagne un arrêt cardiaque tout ça là c'est à travers cigarette à travers la boisson à travers la drogue
tout cela lui affecter une personne. Alors, le prophète peut dire, c'est lui qui divine mot et ça lui dans ce ventre, l'amour est l'amour de Jahiliya. Moi dire un amour c'est qui? Ouais, dans l'époque Jahiliya, quand il pas connu l'islam, pénant l'islam dans cette époque, pénant l'islam dans lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il concernant Jannah aussi. Quand dans sa hadith al-Izir, il a trois qualités personnes, trois catégories de personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin fait Jannah haram l'ozot. Trois qualités personnes qui Jannah de haram l'ozot. Et ces trois qualités personnes là qui sont dans ça, le prophète dit Mudminul Kham, c'est lui qui consomme Kham, c'est un intoxicant, c'est la drogue rentre dedans. Voilà, Anko, c'est lui qui lui mal agir, il ne pas agir bien avec ses parents. C'est lui qui mal agit avec ses parents. C'est-à-dire, c'est un monsieur, c'est un frère, c'est un papa. Ce qui lit ou c'est un garçon, il laisse c'est-à-dire un papa, il laisse ce tifi, ou soit un frère, il laisse ce sœur, ou soit un monsieur, il laisse ce madame. Qui lit et n'a pas une commérance, une petite chose avec les autres bannes. Avec les autres ban ici. Que ce soit les zina ou soit commencement zina qui était, alors un papa qui les laisse sotifier avec un garçon qui pas mahram, la même c'est déjà un l'irode de qualité des youth. Un des youth, et ça même des youth, c'est lui qui casse relation avec ses parents, ou c'est lui qui les fin mudmin al-kham, c'est lui qui consomme kham. Ça va, personne, trois cas de personnes, Allah subhanahu wa ta'ala fin fait Jannat haram l'ozot. C'est-à-dire, là-dedans, haram l'ozot, qui veut dire, s'il y a un musulman qui fin, il pas fin fait shirk, il pas fin fait shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais il fin commettre sa péché là. C'est-à-dire, quand Allah veut dire, il fait Jannat haram l'oli, c'est-à-dire, il pourrait beaucoup les temps d'or, Jahannam pour payer pour sa bonne péché là. Beaucoup les temps pour faire de Jahannam pour payer pour sa bonne péché là. Et une petite chose, c'est qu'il a une longue durée qu'il pourrait rester dans l'enfer. Et ça, c'est une petite chose, c'est qu'il n'est pas correct. Alors, ça, quand un celui qui prend la drogue, ou ça, une personne qui prend une petite chose, la boisson, hein, je ne pas pour gagner rentre dans Jannat. Ça veut dire que je peux être privé de aussi, c'est-à-dire quand je pourrai rentrer dans Jannat après, quand je pourrai rentrer dans Jannat après, quand je finis de payer, je banque conséquence, et tout ça nous dire, les bases de Allah subhanahu wa ta'ala sur ce décret. Alors, quand je pourrai rentrer dans Jannat cette fois-ci, quand je gagne pour rentrer dans Jannat, ça m'a une personne, en faveur des hommes, ce qu'il y a dans Jannat, je pas pour gagner dans Jannah. Je pas pour gagner, ça mène la boisson là pour boire ça, la rivière, comme on connaît la rivière Kham dans Jannah, mais c'est lui qui finit boire l'eau la terre, il pas pour gagner pour boire dans Akhirah. Par exemple, un hadith, le prophète fin Jannah, c'est qui, man Miché, pas mettre la soie, il n'a pas gagné droit à habiller avec man vêtement la soie, il n'a pas gagné droit mettre man bijou en eau. Et mais Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait nous connaître qui dans Jannah il peut permettre c'est ce qui est haram l'eau la terre là-bas il peut halal alors pareil comme ça kham li haram l'eau la terre mais que Allah subhanahu wa ta'ala c'est qu'il a que Allah subhanahu wa ta'ala il pas mauvais il pas commence à kham c'est qu'il a un incident c'est ben pli meilleur kham il peut une man qui chose c'est qui mauvais avec lui et faire du moins tombe de ban déjeuner alors c'est le prophète dit man charib al kham fi dunya c'est lui qui consomme kham dans dunya ثم لم يتوب منها دي pas fin faire aucun tauba li fin mot et pensez en celui qui moment qui li paie mot moment qui li paie mot li overdose hein ça moment là li paie redi li paie kimé comment nous trouver plusieurs fois nous fin trouve beaucoup de jeunes comment kimé comment paie mot de sa façon là et il n'a fin gain arrêt cardiaque en seul coup. Alors, ça m'a demandé, est-ce qu'ils ont gagné du temps, demande Tawba, est-ce qu'ils ont gagné du temps, demande pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala, li bien difficile, bien difficile. Alors, le prophète disait, il n'est pas fini de faire Tawba, hurimaha fil akhirah, Allah subhanahu wa ta'ala, pour priver de ça dans Jannah. Dans l'enfer, quand ben ceux qui consomment Kham se pour entrer, Allah subhanahu wa ta'ala, il pas pour juste mettre de l'enfer, mais c'est pour gagner une bonne humiliation hein, et spéciale, nous capables de dire, dans l'enfer. Et qui se pour gagner pour consommer là-bas, il y a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit,
C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il prend un engagement, l'iman yashrabu al-muskir. L'eau, c'est lui qui consomme ban intoxicant. C'est tout qui se capote sous les eaux. Un yasqiyahu min tinatil khabal. Zeki Allah subhanahu wa ta'ala pour donner tinatil khabal. Alors, ben sahaba fin demander au Rasulullah, mais qui était tinatil khabal? Qui était ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit araqu ahli nar wa usaratu ahli nar. Il dit à ça, qui était tinatil khabal? C'est transpiration. Transpiration de ben habitant l'enfer. Et c'est qu'ils ont pu transpirer et ben dupi. Ben dupi qui peut sauter dans l'écho une personne. Vous connaissez quand une personne est brûlée, hein, quand il brûlée, et là, il fait la matière des l'eau sortie, et ça dit l'eau, il sortit avec 10 ans, il sortit avec les autres, ben, liquide qui est là, les jeunes, tout ça là. Alors, dans Jahannam, quand Jimoun pour brûler, c'est les autres transpirations qui pourraient être dans Jahannam, avec ben dupi, tout le monde qui chose, qui peut sauter dans l'écho une personne. Alors, ça qui chose, hein, pour donner banna à boire dans Jahannam. Qui ban? Ban qui dort, ban qui fin consomme la drogue, l'eau, la terre, Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa hadith, il dit, celui qui passe sur les gens, il délaisse salat pour une fois, c'est comme si il tient dans dunya et tout ce qui est dans l'eau là, ensuite, fin arrache ça des lits. C'est celui qui, à cause de la drogue, il rate une salat, une seule salat. L'inraté, c'est comme si il fin perdit dunya et tout ce qu'il y possédait. C'est tout ce million, tout ce l'eau, l'argent, tout ce diamant qui est dans l'eau salatière là, tout ce l'argent, tout ce richesse qui salatière là, il contenir. Un seul salat, il fin raté à cause l'itida sous les eaux, comme si il fin perdit tout ça, Allah fin arrasli par ça. Et c'est lui qui, par sous les eaux, délaisse salat 4 fois. C'est 4 fois. L'ifin rate salat à cause de la drogue. L'ifin dévoile Allah pour faire lui boire depuis Tuynatul Khabal, pour qu'il lui boire depuis Tuynatul Khabal, qui nous fait expliquer. Alors, ben ça, le prophète finit dire, ça c'est du pis de l'enfer. La drogue les dirige un du monde vers Kufa. Hein? Comment le prophète dit, Mout bin al-Kham, il m'a laqi Allah ka'abidi wa thanin. Hein? C'est lui qui mord l'eau, la drogue. C'est lui qui mord l'eau, la drogue. C'est lui qui consomme la drogue. Il n'est pas fait tawba, il n'est pas fini arrêter. Il continue l'eau la même. Il bouge avec Allah subhanahu wa ta'ala comme un celui, comme un ce qui ado, personne qui ado, wathan, ben ce qui ado, ben idole. Bon, on arrive là. J'espère qu'il ne va pas rester trop beaucoup pour terminer. 15, 91. Pas rester trop beaucoup. Bon, ben, l'effet de la drogue, c'est qu'il y en a. Après, bon, sans beaucoup de manger pour je te lis, Ali, nous prenons un dernier hadith, c'est qu'il nous est là. Ouais, c'est l'Idris vers Koufa, ça nous explique. Le Sahabi, Othman ibn Affan, il dit Fajtan ibn al-Kham, fa innaha wallahi la yajtami'u al-Iman wa idman al-Kham. Hein, certainement qui il veut dire évite ce qu'il appelle évite al-kham, tout man intoxicant, parce qu'il fait serment de Allah subhanahu wa ta'ala qui iman et l'habitude consomme kham, pas jeûne ensemble excepté qu'il est prêt pour qu'il haine entre les deux retire son compagnon, c'est-à-dire normalement elle n'a repousse, c'est soit un djibun, il y a celui qui n'a iman. Mais soit qu'il y a une personne qui, si on y prend comment appeler, il prend sur la drogue, qui n'y pas gagne le temps faire cela, il pas trouve le temps pour vivre bien, mais il peut trouver juste un moment pour qu'il y coquin, il trouve un moment pour qu'il y arnaque ben du monde, il trouve un moyen pour qu'il y cause menti et pour qu'il y fait manquer de choses, ce qui n'est pas correct du tout. Hein? Et la plupart, beaucoup parmi ben drogués, beaucoup parmi les drogués, c'est ben ce qui ne descend, comme dire, soit arrêté, soit une des enfers prison. Beaucoup, beaucoup, les comme ça. Et ça, les tout ban à tout niveau, les aider. Alors, ce que Allah subhanahu wa ta'ala, les protège, nous tous, les protège, nous ban enfants, nous protège, nous ban jeunes contre la drogue. Et pour terminer, et dans sa ban conséquence, dans d'autres livres, moi, je vais vous lire,
c'est une personne consommant de la drogue, une personne qui commet un péché. Bah, bon, ça nous finit expliquer. Si tu tombes dans la drogue, automatiquement, tu pourras boire une salade. Nous trouver ça aussi avec la drogue pour maigrir. Et ça, c'est Bankitso qui nous trouvait. Bandroguer, je finis la peau, les os, mon usir. Je paye dans aucune beauté, l'os, avec la drogue. Perdu la force, je paye dans la force. Et dans du monde, je pensais que quand je si tant je te fais, hein, pour être en travail, j'ai besoin de prendre, comme on dit, un petit comprimé, j'ai besoin de boire un petit affaire pour que je sois capable de gagner la force, de droguer, comme on dit, à ça, je travaille. Et ça, la drogue là, c'est que je vais trouver, c'est l'hyperphénisote. Avec le temps, il pouvait plus satisfaire sur madame et aussi, ben, il y a une grande possibilité qu'il y trompe toi. Et ça aussi, il y a quelque chose qui est arrivé. Hein. L'argent, il finit dans la drogue. Ben, il y a un parent qui se disait qu'il par jour, avec un enfant qui dans la drogue, à peu près 1000 roupies finis. 1000 roupies, un enfant dépensé dans la drogue. Hein, pas capable, il a fallu battre, ben, les enfants la battent souvent, battent sous papa, pas aussi par le côté, hein, il prend casse. Et vraiment, 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 ça, c'est un grand, grand défaite, ben, une personne qui dort la drogue. Et un PSLI qui tombe dans la drogue, pour néglige, nourriture, des banques qui se seront sans, se bon travail, avec madame la quitte, il pour aller, et ça a beaucoup de place en arrivée. Tu vois, quand c'est avec tous les enfants, les enfants, ils sont capables d'amener un rôle qui n'est pas bizarre. Hein? L'argent fini, ils manquent aucun bijou. Bon, tout ça, nous finissons expliquer. Bon, en général, nous finissons expliquer. Tout ça, manque de choses, pour t'aller la main avec Bantimon, et pour le monde, comme on dit, elle demande casse, et n'a fait sur maman, elle demande casse, et n'a fait sur madame, elle mendie pour lui. Hein? Tout ça, là, c'est manque de choses, c'est qu'ils nous trouvaient, nous témoignaient, nous dire la police attrape les stations de prison, nous dire ça aussi, et disons pas pour faire les confiances dans la société. Hein? Et tout ça, là, c'est manque de choses, et malade, tout qui était malade, un disons ramasse sida, et beaucoup Bantimon. Il ramasse sida à travers la drogue, à travers son seringue. Hein, il gâte réputation sur la famille. Hein, ce fille demain a pour marier, qui réputation il peut aider. Un kiken pour marier que ce fille, il peut rine sur l'écho, il peut embêter lui-même à travers ça. Et tout ça là, c'est tout. Tout ça là, c'est man qui sort, c'est qui, c'est qu'il n'est pas, n'est pas, n'est pas, n'est pas correct. Man conséquence, c'est qu'il y arrive une personne qui lui tombe dans la drogue. Alors, mon conseil, c'est qu'il a, c'est qu'une personne, l'ibiza, il a la volonté pour qu'il saute là-dedans par lui-même, un premier. Ensuite, il fait droit avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Arrête fréquente, mon camarade, qui dit de droguer ensemble avec lui. Parle de son base, que tu as habitué à aller, que tu vends sa manquette chose. Il fait ses efforts, fait ce salat, parade salat, fréquente, mon bon dimon, qui peut encourager lui pour sauter là-dedans. Et qui lui apprend d'in et qui lui garde tout le temps et ça occupé avec un petit chose qui est correct, lui pas laisse lui reste tout seul dans les temps libres pour qu'il lui retrouve lui comment dire peine n'a rien à faire. Alors c'est là n'est qu'il a tombe dans la drogue encore. Alors ça c'est mon conseil c'est qu'il a nous demande juste pour lire lui je te suis bien. Inch'Allah, après je t'ai là toujours bonne question, je t'ai là bonne information, je vais demander, je vais comprendre. Alors, je nous peux expliquer. Alors, c'est ça, nous viens nous terminer une classe pour aujourd'hui. Inch'Allah, samedi, nous retrouvons pour les autres bonnes classes. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullah khaira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.